Ça va se baser surtout pour des percussions. Mais Yann Saïd, on peut être plus mélodique. Il joue à Kora, à Balafo, à Vite, à Kara. Parfois, de temps en temps, pour mieux faire la mélodie. Pourquoi ce brassage? Bon, je vais vous expliquer. 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 Masha'Allah, il y a d'autres actes qui ont été mis dans le savoir. Mais pourquoi pas pour une intégration? Mais il y a le Japon aussi, ici, Tolem. Nous avons duré quelques mois, c'était en 2000, nous sommes au Casamance, au Cap-Skrin, une soirée sénégalaise. Parfois, il y a le. Deux catégories de réunions. Est-ce que vous m'appelez ma double soirée? Je suis allé à mon jeune, je suis accompagné. On était quatre personnes, je suis allé à mon ah, bien sûr, je suis allé à mon jeune. Je suis allé à mon jeune, je suis allé à mon jeune. Parfois, sans répétition ni rien comme ça, bénévolement, comme soirée, j'ai eu une idée. Mais je suis allé à mon jeune, je suis allé à mon jeune. Mais je suis allé à mon jeune, je suis allé à daay wax ñu leen ñu répéter mais ñu ñëw ñu intégrer ñu ngi déggu ba ñom ay sosé la ñu ñu dégg sabar donc pourquoi pas ñu ñu def ñu percussion du nord ak percussion du sud même fusionné def ko ben genre musique lo tax atat bu nek comme tapa comme ñu koy waxe du taw non comme sabar mais da fay day balancer quoi parfois dañuy nek au Sénégal au nord même ça dañuy nek à Casamance donc mo tax ñu choix bo pour mieux exporter les percussions tax sabar te fop kawé trop fop ñu jël aussi parmi les instruments yi nga xamné dañuy def contact direct manam fi la am manam lool moy suñu différence ak ñoom donc c'est un instrument contact direct la pom la am pom pom mais c'est pas comme le djembe qui est plus connu voilà vous le connaissez la ville manam de ça mais ça c'est plus donc c'est doux quoi c'est plus doux légui dañu jël nak aigu bi ak doux bi bolé ko comme ça on peut avoir une musique qui sont bien à l'oreille donc dans le choix pour exporter la musique africaine à partir de ce donc on voit que en Europe on parle trop d'intégration en France on parle d'identité nationale mais on voit que les Africains en matière culturelle on est intégrés en tout cas on s'est imposé d'autant que c'est l'intégration par la culture wa lolu jaru sama wax na ko ci ay télévision yu mag la sonu mané ñu ñu sonu la renaissance même africaine ko passe par nous les percussions percussionniste bo sello amul kenn ku jël ben bo do xol ben sénégalais mu ni damay def ben pour d'état ma ngi joxe ay cours de guitar yalla fa amul ben sénégalais bu nek en europe wala aux états-unis wala en chine muy joxe des cours de batterie amul ben sénégalais yu fa nek wala africain yu fa nek yeb ay école de percussion lañu am donc pour être mieux clair néo colonisation bu non wax sax percussionniste ñun gëwale ñu koy def ndax ñu ni dem di exporter di jël li nga xamni moy ciosan ak aada fi di sabar suñu mag yi ñokay fekk ak suñu yaay ñu koy jox nit ñu ci jàng te yeen say dañuy ñëw nek ay des vingtaine des trentaine des centaine voire des milliers de personnes pour ñëw fi def ay stage de percussion kon donc ça montre que colonisation jeex na légui ñun nit ñi ñi soxla suñu aada ak suñu ciosan ñu ñëw ñom par notre biais di ñëw di jàng ci teug ak fi mais jàng ñu guitare jàng ñu way comme rap jàng ñu dara ñu jàng ci ciosan en résumé on offre quelque chose à la mondialisation en fait une consommation ñu stop cet intérêt quoi ñu ngi participer peut-être dañu tenu en compte mais l'appel à ce loo tax ma naan jéggu na yeewu na bàggu ma africa raw na leen jëmb na man xawma lan mooy biit man biit bu ma dégg pour man percussion la pour man bu ma dégg rek yi fii la jógee cosaan de ak parce que mais dañu seetlu aussi sur le plan